Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à déterminer l'image d'un point à l'aide d'une expression de fonction. Je m'explique. On va calculer, d'accord, les images de 0, 1, 1/2 et moins 4 de la fonction ci-dessous. F de x est égal à 2 racine 2x plus 1. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on doit tout simplement remplacer par le nombre à l'intérieur. En gros, il n'y a rien de plus simple, vraiment. Donc, c'est ça qu'on appelle déterminer, lorsque c'est possible, les images des nombres suivants. À l'aide de cette fonction, évidemment. Et du coup, si je veux l'image de 0 pour ceci, ben je vais avoir f de 0 qui est égal à 2 racine de 0 plus 1, ça c'est 0, donc plus 1, donc f de 0 est égal à 1. Ensuite, f de 1, c'est 2 racine de 1 plus 1, racine de 1 c'est 1, donc 2 fois 1 plus 1, ça me fait 3. Ensuite, f de 1/2, c'est 2 racine de 1/2, plus 1. 2 racine de 1/2, c'est 2 sur racine de 2 plus 1. 2 sur racine de 2, c'est racine de 2, okay? Donc plus 1, ce qui nous fait à peu près 2,41,42. Voilà. Et puis f de moins 4, alors est-ce que ça va être possible? On doit prendre 2 fois la racine de moins 4 plus 1. On sait que la racine de moins 4 n'existe pas, et donc notre fonction n'existe pas. Il n'y a pas d'image pour moins 4. D'accord? C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'ensemble image. Okay. On l'avait fait, je pense. Il fallait que x soit un nombre positif. Et du coup, si vous prenez un nombre négatif, n'importe lequel que ce soit, ce sera faux. Bon, voilà, ici c'était une très courte séquence. C'était juste pour vous apprendre à faire ça. Peut-être en faire une autre. Par exemple, x divisé par x carré moins 1. Enfin, même pas. Je pense que en soi, trouver les images de points à l'aide d'une fonction, c'est juste remplacer, quoi. Si vous avez par exemple f de x qui est égal à 3 sur x moins 1, ben vous savez que x ne peut pas être égal. Oh, que x, pardon, moins 1 ne peut pas être égal à 0, du coup que x ne peut pas être égal à 1. Et donc si vous avez f de 1, ben vu que x ne peut pas être égal à 1, ceci est impossible. Par contre, pour tous les autres nombres, vous pouvez essayer f de 2, ben c'est 3 divisé par 2 moins 1 qui est égal à 3. Et ainsi de suite, enfin voilà. Ici, il y a juste qu'à remplacer. Et quand c'est impossible, ben ça, de toute façon, vous le savez avec votre domaine de définition. Voilà. Bon, ben, c'est déjà fini, hein. Je vous remercie de votre attention. Et j'arrête pas de dire ça, il faudrait peut-être que j'arrête. Bref.